Tu as trouvé la réponse? Ici, l'idée, c'est de la trouver en 10 secondes, même pas 2 minutes. En fait, c'est juste pour mettre en exergue un élément assez intéressant des pourcentages. En fait, 32% de 25, ça fait 8. Voilà, à trouver aussi rapidement que ça. Pourquoi? Et une fois n'est pas coutume, je vais te faire une petite démonstration. En fait, quand on fait des maths, du, de, des ou même des apostrophes, ça se traduit par une multiplication. Bah oui, ça tu le sais, le double de 5. Le double de 5, bah, tu fais 2 fois 5. D'accord? Donc si tu n'étais pas convaincu, je te répète, du de D, c'est fois. Autrement dit, 32% de 25, on peut dire que c'est 32% fois 25. Mais 32%, c'est un nombre. 32%, c'est 32 sur 100. Donc 32% de 25, c'est ce calcul-là. Mais tu sais que la multiplication est commutative. 2 fois 3, c'est 3 fois 2. Donc ça, si je veux, je peux échanger la place du 32 et du 25. Je peux dire que c'est 25 sur 100 fois 32. D'accord? Quand tu multiplies de nombres, tu peux intervertir leur place. Commutativité. Ok? Mais 25 sur 100, ben c'est 25%. C'est la définition du pourcentage. Donc ça, c'est 25% fois 32. Voilà, on peut l'écrire comme ça, même si ce n'est pas très joli. Autrement dit, c'est 25% de 32. Et là, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de te prouver qu'en fait, 32 et 25, peu importe leur place, 32% de 25, c'est pareil que 25% de 32, c'est la même. Mais 25%, c'est adorable, non? C'est le quart, c'est divisé par 4. Et 32, je ne l'ai pas pris au hasard. Donc en fait, 25% de 32, c'est tu cherches le quart de 32. Donc 32, tu le divises par 4. Ça fait 8. Eh bien oui, parce que 8 fois 4, 32. Donc tu vois, 32% de 25, il fallait juste intervertir les deux. Et donc ça faisait 25% de 32. Et ça tombe bien, 25%, c'est gentil. Il suffit de diviser par 4. Et le quart de 32, ça fait 8. Donc voilà comment on le trouvait en 10 secondes et je pense ne pas avoir menti. Et je vais te faire deux applications et deux petites applications si ça t'intéresse. Regarde, comment calculer 23% de 50 en 10 secondes également? 23%, c'est pas horrible, mais c'est pas si simple. Et là, ça tombe bien, si tu les changes, ça devient adorable. Est-ce que c'est plus facile de calculer 50% de 23? Eh bien oui, 50% c'est la moitié. Et donc c'est combien la moitié de 23? 11,5. Il y a une petite virgule, mais je pense que ça va là. Donc 23% de 50, 11,5. En quelques secondes. Ok? Le suivant, 44% de 75. 44%, encore une fois, ce n'est pas évident. Est-ce que c'est plus simple de calculer 75% de 44? Normalement, oui, parce que 75, c'est un cousin de 25. Tu te rappelles, tout à l'heure, on a fait 25. 25%, c'était un quart. 75%, ce n'est pas un quart, c'est trois quarts. Donc, ce que je vais faire, je vais d'abord calculer combien ça fait un quart. Et après, comme j'en veux trois fois plus, je multiplie par 3. Voilà comment est-ce qu'on calcule 3 quarts. Donc, 1 quart, c'est divisé par 4. C'est combien? 1 quart de 44. 44, si tu le divises par 4, ben, ça fait 11. Ça, c'est 1 quart. Moi, j'en veux 3. 3 fois 11, 33. Voilà comment on trouve encore une fois en quelques secondes ce calcul de pourcentage. Bon, j'espère que ça t'a plu, hein.